c'est trop beau. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rando. Welcome. En direct du coup du tour des Aiguilles Rouges. On va vous emmener pour 4 jours. Et je suis accompagnée de ma très chère Erel. Salut. Allez, c'est parti, j'espère qu'on va vous en mettre plein les yeux. C'est la première fois qu'on remet nos chaussures de rando après la pause hivernale. On a un peu peur d'être rouillé, mais à vrai dire, le ciel bleu et les paysages majestueux nous font presque oublier ces 12 kilos qu'on se traîne sur le dos. Du coup, aujourd'hui, on commence à la cool avec 12 km environ et 1000 mètres de dénivelé positif. L'objectif est d'atteindre le lac Blanc en fin de journée. Fallait bien un peu de montée quand même, hein ? Ça, pour être panoramique, c'est panoramique hein, comme chemin. Y a pas de doute. Elle fait place cette petite pause en vrai là. Ouais. Les abricots c'est trop bon. Grave. Au Maroc. C'est bien le Maroc. Pour ça, faut ouais. Faire attention quand on roule. T'as déjà mangé des abricots là-bas à dire. Non. Incroyable. Calme, ils sont dans leur élément. Dans leur élément. C'est fou de les voir si proches. Salut. Arrivé. On est sur la neige. Oh, ce bruit de la neige. J'aime tellement. Et bah le lac Blanc, il est bien blanc. Oh, c'est trop mignon. Elle a pas froid. Hein. Comme quoi, en montagne, ça change en 10 minutes. Là, on est passé à un climat nettement moins ensoleillé, quoi. Et ce soir, on va dormir là-bas. Il y a déjà des petites tentes. Peut-être ranger l'appareil photo. Avant qu'il ne soit trop tard. Allez. Mais j'ai l'impression que ça va pas faire le bruit. Bon, c'est la merde, j'ai froid. C'est le déluge. Mais on est sous une tente. C'est mieux que de ne pas être sous une tente. Exactement. Sous le soleil des tropiques. La situation ne s'est toujours pas améliorée. Je répète, la situation ne s'est toujours pas améliorée. On va manger. Alors, il est quelle heure là? 21h presque. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est bon une carotte quand tu penses? Moi j'aime trop. Moi aussi. C'est sucré et tout. Bon nappe hein. Il pleut plus. Il est 22h11 et on va procéder à l'extinction des feux. Bonne nuit. Je peur. Vraiment. On n'est pas rassurés. Allez, bise. Ce sera peut-être nos derniers mots. Non, je dis pas ça. On aime tout le monde. Bonjour. On a survécu. Ouais. Et on a eu une petite surprise au réveil. Un lac qui s'est créé sous la tente. Genre à côté de la tente. Et on les a enlevés, mais nos chaussures étaient là-dedans.
Au moins, il y a du soleil et ça, c'est génial. Parce qu'on va pouvoir un peu faire sécher tout ça. En fait, on a dormi dans de l'eau. Ça, c'est de l'eau, là. Bon, au moins, cette tente, elle est testée, validée. Hein. Vous pouvez dormir dans une piscine avec, pas de problème. C'est parti pour le jour 2. Vamos. Pour là on a quoi? Descente. Non, plaine. Descente. Puis descente. Le double du trajet, hein. Direction Cédroute, col des montées. Et là, on va prendre la descente. Touk, 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 touk. On dirait pas comme ça, mais ça va faire une petite heure. Ça use, 1 km à pied. Ça use les souliers. Oh. Au menu, ce midi. Ça passe, non? Franchement, c'est reparti. Je crois qu'on voit notre refuge. C'est ça. Ou alors non, c'est juste des cailloux. Alors ce qu'on fait demain, c'est le col de Salenton, ici. Il y a pas mal de neige, donc va falloir faire attention, mais ça va le faire. Il nous montre le chemin. C'est par là le refuge. Ouais bah lui il a pas de sac à dos hein. Désolé hein, mais on voudrait bien passer. Allez, on y va. Oh là là. Ça fait peur en vrai, en plus ça peut faire des sauts de ouf ça. Mais c'est pas possible. Je crois qu'il faut pas les regarder dans les yeux. Marie. Non mais c'est vrai, comme tous les animaux. Ça, ça les excite. Attends, on va attendre. On va attendre. Le mec, il nous vicose quoi. Comment on fait? On veut passer mec. Laisse-nous passer. Ok, vas-y. Bouquetin, évité. Non mais quelle histoire. On va leur demander en vrai en arrivant si ça peut être dangereux en bouquetin. On arrive. Wouhou! Le dîner nous attend. Sur le col de la Salenton. Miam. Mais ça se passe bien, je crois. On est sur un spot de brossage de dents assez sympa. Alors pour info, aujourd'hui on est là, donc refuge de la Pierre à Bérard, on est environ à 2000 et la première étape de la journée un peu redoutée, c'est d'arriver jusqu'au col de Salenton qui est à 2005, donc 500 D+, donc ça va, mais en fait c'est très très enneigé. Va falloir faire attention et bien planter ses bâtons. Ouais. Puis après on redescend vers le refuge de Mouet d'Anterne. Malheureusement il n'est pas sur la carte. Donc on va imaginer que c'est par là. On est propre, on est propre. Presque propre, ouais. Presque propre. On se rapproche. Là, on commence à le voir, le col.
Il est là. Bon, du coup, on a raconté n'importe quoi. Le col, c'était pas le truc à gauche, là, mais bien ici. Là, juste là. Et là, la neige, elle va commencer. On va suivre les piquets. Et on est sur le bon chemin, parce que pendant un moment, on a cru qu'on était perdu. Mais c'est good. Point d'étape, on y est presque. C'est pas évident. C'est pas la partie la plus rassurante, on va pas se le cacher. Mais on y est presque. Là, on le voit. Et puis après, il y a de l'autre côté aussi. Allez, Rel. Que d'émotion. Bon, là, vraiment, pour le coup, on y est vraiment presque. Il ne reste plus que ça. Tac. Pas grand-chose. Après tout ce qu'on a fait. Yes, Rel. Qu'est-ce que c'est beau. Au pire, tu tombes sur ton huc. Au pire. Et tu te freines avec les bâtons. Je vous présente une RL dans son élément. Ce qui se passe quand tu te perds, tu finis par... te retrouver à descendre des pentes sur le cul, alors que le vrai chemin, il est là. Bon les gars, petit update météo là. Là c'est pas ouf ce qu'on voit là-bas, là c'est assez sombre. Donc on va continuer à aller vers le soleil. Allez, c'est parti pour du trail, RL. On est au paradis là. L'appareil photo ne montre pas à quel point c'est magnifique, mais c'est juste un délire, vraiment. C'est trop beau, c'est incroyable. Wouah ! Une plaine au milieu de nulle part, comme quoi ça a du bon de se perdre. Enfin, trop contente d'être là. Refuge de mouettes en terne, avec un bon dîner qui nous attend. Il va être mérité celui-là. Hein. On est installé dans la mer de nuages. Bon. C'est la dernière nuit. Ciao. Bonne nuit à tous. Voilà. Nous sommes dans le brouillard. Et on a perdu je sais pas combien de degrés aussi. Ouais, accessoirement, on a très très froid. Et du coup là, la mission, c'est de passer le col de... Brévent. Ouais, avant que ça se dégrade encore plus et bah histoire qu'on puisse revenir à Chamonix en fait. Ouais. Tout simplement. On prévoit de la pluie en début d'après, mais on n'a pas envie d'avoir de la pluie pendant la montée du col enneigé. Ouais, c'est ça. Col du Brévent, 3h10. Ah là là, j'espère que ça va le faire. Hein. Arrivé sur le col. La vue est ouf, hein, faut dire les choses. On se rapproche de la fin. On est arrivé. Ah, une sacrée aventure. Hein. C'est trop bien, hautement conseillé. Il s'est passé tellement de trucs. Wow. Il y a tellement de paysages différents et tout. Ah, j'arrive pas à croire que ça soit terminé, je suis un peu genre sonnée de ça. Ouais, j'ai vu quand t'es descendu. Ah, ben on est arrivé. Bon, en tout cas, si vous voulez des infos, n'hésitez pas. La montagne, ça vous gagne.